Et bien salut tout le monde, c'est Zenke, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture du Yu-Gi-Oh! Et aujourd'hui, on va s'ouvrir la Mega Tin Box Kaiba de 2017. Donc, comme pour la Yu-Gi que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps, on a quelques cartes exclusives et 3 Mega Packs qui contiennent environ 16 cartes, je crois. Et let's go, on est parti pour s'ouvrir ça. À base, je ne devais pas spécialement à prendre, mais vu que c'est les soldes et qu'elle était en promo, ben je me suis dit, allez, vas-y, on va la prendre. Ça va nous faire enfin un bon paquet de cartes en plus. Et du coup, c'est vachement cool pour se remettre à Yu-Gi-Oh! Du coup, on a un petit dragon blanc aux yeux bleus en secrète. Bon, c'est pas vraiment l'illustration que je préfère, mais c'est toujours sympa. Et du coup, on a encore dragon proxy, peau des désirs. Numéro 68, prison céleste. Ça la fonde, ok. Un petit numéro en X6, c'est toujours sympa. On a Entes, on va dire, ancienne entité, une fusion. Ok, c'est cool. Et du coup, on a un jeton Kaiba. Ok, les cartes exclusives sont sympas. On a retrouvé le pot des désirs et dragon proxy comme pour la tin box Yugi. Et ensuite, on a trois packs des boîtes, qu'ils appellent ça. À s'ouvrir. Et on est parti pour s'ouvrir ça. Alors, les cartes rares sont au milieu normalement, mais comme d'hab, je vais pas me faire chier. Oh, nice! Aile noire décomposition néfaste, ça me fait une aile noire en plus. C'est des cartes que j'adore, ça, les ailes noires. Et il y en a pas mal que j'ai pas, vu qu'ils en avaient ressorti pendant la période où j'ai arrêté. Alors, ensuite, éruption d'Inobrume. Dragodise, le guerrier éveillé. Petit monstre pendule. Ensuite, on a Super Carnival Hippopotame. Insecte d'urgence. Recycle dé. En rare, on a Sorceleuse de noyau de dragon. Ok. Monstre normal dragon syntoniseur 2300. Magicien sombre Toon. Esprit du dragon blanc. Sympa. Et Drident du zodiaque. X6 en secrète rare. Ensuite, on repasse sur la commune. On a cheval et chasse, vitesse roïde. Animal féerique, rion. Marella paléozoïque. Et canintor, je veux dire. Et ensuite, on a entrée cristron et élément binaire sifère. Ok. Premier booster. Assez sympa. Allez, on est parti pour s'ouvrir le deuxième. Voyons ce qu'on va avoir de beau là-dedans. Alors, on a le ninja dragon noir. Ensuite, nous avons Delops. Ankylos d'Inobrume. Champion du monde poids-carotte. Mon dieu. Robe du magicien. Ah d'accord, c'est comme le sceptre du magicien que j'ai eu ça. Base robot bureau. Ah, ça me parle ça. Ensuite, la carte rare plaque de fusion. Ensuite, on a Anomalocaris paléozoïque en super rare. En ultra rare, on a contrat des ténèbres avec les entités. Et ensuite, en secret rare, on a navigation des magiciens et petite ellipse. Donc, on en était à la secrète qui est Navigation des Magiciens. Je me demande si je ne l'ai pas eu dans la Tin Box Yugi. Il me semble que si. Mais en tout cas, la carte est sympa. Alors, ensuite, on a Bénédiction des Lutins. Calamar Drosera Prédaplante. Ok. Étranger Sifeir. Ébau Seigneur de la Rivière. Bismupièce Métalphose Rare. Il y en a, ils ont des noms, laisse tomber quoi. Marmar. Voilà. Et du coup, c'était la dernière carte du booster, ok. Et du coup, on va s'ouvrir le troisième et dernier booster de cette petite tin box Kaiba 2017. En espérant avoir encore des trucs cool dedans. Alors, on commence avec Mauvaise Visée, Animal Féerique Blanche. Sont sympas ces illustrations aussi. Je crois que je l'ai eu tout à l'heure dans le premier booster, peut-être. Ou alors c'était. Ça y ressemblait. Sympa les illustrations des cartes comme ça. Red Raptor Strix survolté. Protecteur rouge.
Fusion Fruvals contre Metalfose. Ensuite, on a Wolfflam Metalfose. Ok, un petit pendule normal. Ensuite, en super rare, on a une carte magique T1. Métamorphormation. Tu parles d'un nom, toi. Ok. En ultra, on a Solitaire Shiranui. Ok, elle a l'air sympa. Et en secret rare, objet de sacrifice inutile. Ok, bah décidément. Plusieurs fois que je l'ai dans des raretés différentes récemment, celle-là. Ensuite, on finit sur les communes. On a Dino Couture, Portail d'invocation, Chien de chasse, Rouage ancien. Ok. Union des Chevaliers Ardents et Maurigre Cristron. Ainsi que la quarantaine. Voilà, voilà. Donc, on aura eu des cartes assez sympas. Voilà, objet de sacrifice inutile, solitaire Chiranui, des trucs comme ça. Pour moi, j'aurais eu une petite aile noire, mais je me demande si c'est pas déjà celle-là que j'ai eu dans la box Yugi. Faut que je vérifie. Ce serait dommage que ce soit celle-là que j'ai eu, et pas une autre. Mais voilà, on a eu des petits trucs sympas. La Unique 6 en secret, Esprit du Dragon Blanc en ultra, elle est sympa. Magicien Sombre Toon aussi, je crois que je l'ai déjà eu dans la première box, mais c'est une carte sympa aussi. Et ensuite, voilà, on a eu Navigation des Magiciens, Contrat des Ténèbres, voilà, des petites cartes sympas. Et les cartes, du coup, qu'on a dans chaque box, avec le numéro 68, le pot des désirs, vraiment proxy, et le petit dragon blanc aux yeux bleus en secret rare, voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo d'ouverture de Tinbox Kaiba 2017 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner, à commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour encore une autre vidéo Yu-Gi-Oh! Et d'autres vidéos. Voilà, salut!